J'ai lu un article qui est paru sur Internet par le CNEF. Alors, le CNEF, c'est le Comité national des évangéliques, c'est-à-dire de plusieurs églises et communautés chrétiennes évangéliques ensemble, et le F pour la France, Comité national des évangéliques de France. Depuis plusieurs années déjà, le CNEF édite et diffuse des informations qui concerne le monde spécifiquement des chrétiens. Donc, il parle de l'expérience des chrétiens au sein même de la société. On compte à peu près 2500 lieux de culte un peu partout répartis en France. Et bien entendu, c'est autant de personnes humaines qui sont concernées par la vie dans la société. Un chrétien, face à la société, ne peut pas se dire ça m'est égal, je ne suis pas concerné. Il fait partie intégrante de la vis en société. Donc, je lis cet article et il est en lien avec un événement récent. Il s'agit de la mort du jeune Naël qui a occasionné, nous le savons, ce triste événement a entraîné plein d'actes de violence en France. Et le 28 juin, donc, l'article, il s'est produit quelque chose suite au 27 juin à la mort du jeune Naël. Donc, le 28 juin, il y a des pancartes qui précisent ceci. Le prophète Mohammed, c'est lui le vrai prophète. Et c'est tout. Donc, on peut voir une photo lorsqu'on rentre dans l'église. Le mobilier a été vandalisé, cassé. Et cette inscription que l'on peut lire, qui parle de Mohammed, qui est donc le vrai prophète. Donc voilà, moi j'ai lu cet article, cette information qui vient du CNEF. Et ça m'a donné à réfléchir, et je fais le lien avec des lectures que j'ai déjà faites plusieurs fois, des lectures qui expliquent la différence entre la Bible et le Coran. Donc, à l'intérieur de ces deux textes sacrés, on peut dire sacrés, on parle de la même personne, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Le Coran, comme la Bible, tous les deux parlent de Jésus-Christ. Mais le Jésus dont il est parlé, en réalité, on remarque, si on analyse les deux textes, ce n'est pas la même personne. Donc, aujourd'hui, je profite de cette information du CNEF pour partager avec vous une réflexion qui montre la différence de la personne de Jésus, qui est-il dans les deux textes. Donc j'ai déjà lu plusieurs études et je vais donc vous le résumer. Et donc ce n'est pas une invention de ma part. Donc voyons ce livre-là, Un regard sur l'islam, fait partie de mes lectures. Donc ce livre présente les deux textes et il nomme vraiment les parties de la Bible où c'est mentionné. Alors quand on parle de texte, on peut parler de versets et de chapitres pour la Bible. En ce qui concerne le Coran, on va parler plutôt de sourates. Voilà, on donne le sourate numérotant. Donc là, je m'oriente vers mon tableau et puis je vais donc le détailler. Tout d'abord, je vous montre que j'ai décidé de faire une étude avec cinq parties. Aujourd'hui, on va seulement traiter de la première partie, du premier point, on peut dire. Et le premier point, c'est donc le Fils de Dieu. Et on va analyser ce titre-là, Fils de Dieu, dans les deux textes. Tout d'abord, au sein même du Coran, on parle de Jésus. En premier, on dit que Jésus, oui, il est le Messie. Ensuite, on peut lire également que Jésus est la parole d'Allah. C'est ce qu'on lit. On voit également que Jésus, il est l'Esprit de Dieu.
En continuant la lecture et la recherche, on voit que Jésus, c'est le fils de Marie. Marie, voilà son signe, c'est son signe. Et encore, dans le Coran, il est dit que Jésus, en effet, c'est le messager. Son rôle, c'est vraiment le messager de Dieu. Donc, dans mes lectures, on voit qu'il est mentionné la sourate que l'on voit sur le tableau, donc numéro 4.171. Alors, je vais vous dire ce que dit cette sourate. J'ai recopié. Donc, la sourate dit que elle déclare que Dieu est unique. Et ensuite, il est posé cette question. Comment Dieu pourrait-il avoir un fils? Ce n'est pas possible. Ça, c'est la sourate qui le dit. Et dans le Coran. Ce n'est pas possible que Dieu ait un fils. Ce n'est pas possible. Et ce texte-là donne comme valeur aux personnes que c'est un péché très grave de dire que Jésus est le fils de Dieu. C'est interdit d'avoir même cette pensée-là. Donc ça, c'est le Coran qui le dit. Maintenant, on va regarder la Bible. Donc, dans la Bible, il est dit que Jésus est le Messie. Voici le signe. Voilà, le signe qu'on peut utiliser. Le Messie juif. Donc, il s'appelle Yeshua. Yeshua. Ensuite, dans la Bible, il est dit que Jésus est le Seigneur. Jésus est le Sauveur pour tous les humains, pour l'humanité. La Bible déclare également que Jésus est le Fils de Dieu. On le lit dans Luc chapitre 1 verset 35, donc dans l'évangile de Luc. On parle de Marie et c'est l'ange qui annonce à Marie, le Saint-Esprit va venir sur elle. Et ensuite, l'enfant, le Saint-Enfant qui va naître, va s'appeler, le bébé donc, hein, va s'appeler le Fils de Dieu. Donc pour la Bible, les personnes qui lisent ce texte-là, ce serait un péché très grave de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est un péché vraiment important de dire l'inverse. Dans le Coran, c'est l'inverse. Il ne faut surtout pas dire que Jésus est le Fils de Dieu. Si on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est un péché. Alors que pour les chrétiens, pour ceux qui suivent la Bible, voilà, le péché, c'est de dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Donc voilà, nous avons terminé la première partie de cette étude.